Vous connaissez la formule. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20 heures la culture. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir la talentueuse violoncelliste Camille Thomas. Elle donne un concert exceptionnel dans un lieu qui l'est tout autant, le 28 juin à la Sainte-Chapelle à Paris. Tout cela dans le cadre du Festival de Paris est retransmis par Deutsche Grammophon. David, on va évidemment commencer en musique. Camille Thomas est accompagnée par le harpiste Léo Doumen. Et le mieux que mon blabla, c'est de l'écouter tout de suite. Camille Saint-Saëns, Le Cygne, c'est un tube. Le silence est toujours le plus important après un très très joli moment de musique. On va donc être rejoint par Camille Thomas. Je rappelle qu'elle était accompagnée par Léo Doumen pour ce Cygne de Camille Saint-Saëns. Alors pendant qu'elle arrive, bah oui, je peux vous en parler. Elle explose vous cette année. Installez-vous. Premier album chez Deutsche Grammophon. Donc pour une jeune artiste, une jeune violoncelliste, un premier album chez Deutsche Grammophon, c'est un moment important. La grande maison de musique. Il y a le concert à la Sainte-Chapelle. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait de cette année? Qu'est-ce que vous avez mis dans cet album? Parce que c'est une année, je le disais, très importante pour vous. Oui, c'est la somme d'énormément de travail. J'ai commencé le violoncelle à 4 ans. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus visible cette année, mais pour moi, c'est quelque chose qui a été très graduel. J'ai toujours travaillé énormément. Évidemment, mon violoncelle, puis la musique, c'est ma vie, ça fait partie de moi. C'est pas vraiment un métier, en fait. J'ai de la chance, c'est comme une... C'est un accomplissement existentiel. Mais qu'est-ce qui fait qu'à 4 ans, un tout petit bouchou comme ça, il va choisir le violoncelle et déjà le violon, et pourquoi pas le piano ou la clarinette? Comment le déclic s'opère? Alors, je voulais jouer d'un instrument. Apparemment, je dansais toujours sous le piano pendant que ma maman jouait du piano, ma sœur du violon. Et voilà, on a écouté des disques et ça a été un coup de foudre. C'est mon premier souvenir, le son du violoncelle. Et depuis ce jour-là, je suis violoncelliste. Ça fait partie de moi. Alors, c'est un instrument qu'on connaît bien et qu'on connaît mal en même temps. Qu'est-ce qui fait que le violoncelle a cette sonorité qui exprime le sentiment des hommes et qui nous touche à ce point, facilement. Ça transperce le violoncelle, c'est très étrange. C'est vrai. C'est dans la tessiture l'instrument le plus proche de la voix humaine, je pense, et c'est pour ça qu'il est tellement touchant. Et c'est un instrument qui émeut énormément et c'est quelque chose, moi, qui est très important pour moi, que chaque note signifie quelque chose. C'est un art qui est sans les mots. Mais tout apporte une émotion. En fait, ça transperce en douceur, c'est ça qui est pas, enfin, paradoxal. Ah, parfois, avec moins de douceur. Là, on a joué de la douceur, mais il peut y avoir... C'est juste. Mais c'est vrai. On aura peut-être quelque chose d'un petit peu rock tout à l'heure. Carrément rock et dans l'actu. Enfin bon, Vous nous raconter l'histoire de votre instrument, parce que ce n'est pas une histoire neutre. Vous avez été recruté pour jouer de ce violoncelle, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est un peu un conte de fées. C'est vrai que... Alors, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Bernard Magret, qui voulait acheter un violoncelle et qui voulait que ce soit pour moi.
C'est vrai que c'est un peu comme un rêve parce que ce sont des instruments qu'un... Un musicien ne peut absolument pas acheter. Bernard Magret, c'est un des grands noms du vin français, ouais, en particulier, voilà, de la région mécène, de Bordeaux. Donc. C'est bien un mécène par définition. Qui a équipé des grands solistes. J'imagine. Et alors, il vous dit quoi? J'ai un joli violoncelle de 1700... Non, alors ce qui a été magique aussi, c'est que j'ai en plus pu le choisir. Donc j'ai parcouru l'Europe pendant 6 mois et j'ai essayé plein d'instruments. Et c'est un peu comme la baguette magique d'Harry Potter. D'un coup, il y en a un qui correspond. Vous un avez pris le plus cher pour... ou pas? Et bien, même pas. Ah. C'est étonnant. Hein. Comment l'avez-vous choisi? Parce que, c'est, en fait, un violoncelle, c'est quelqu'un. Pardonnez-moi. C'est ça, c'est une voix. C'est un personnage. Enfin, c'est... Oui. Alors, parlez-nous de votre personnage. c'est difficile à expliquer. C'est une alchimie très particulière. Et quand je l'ai joué, voilà, j'ai tout de suite su que... C'était lui. Que ça pouvait être ma voix. Vous l'avez trouvé où, du coup? Et j'ai parcouru l'Europe. Je commençais comme ça, mais je l'ai trouvé à Paris, gare Montparnasse. Donc vous avez fini à Paris, en fait. Tout ça pour ça. Alors, c'est quoi comme violoncelle? Quand est-ce qu'il a été fabriqué, je crois? Il a été fabriqué à Naples en 1788. Et Bernard Magret l'a renommé, selon son plus grand vin, le Château Pape Clément. Donc, je trouve aussi que c'est un beau baptême. Alors, pourquoi Bernard Magret s'est mis à genoux, alors que souvent, c'est des solistes qui passent des entretiens avec lui. Ils sont castés parce qu'il va leur prêter qui un Stradivarius, qui un autre violon, etc. J'ai eu la chance d'être recommandée par des personnes très gentilles qui ont parlé de moi. C'est formidable de l'expliquer comme ça, avec autant de simplicité. On n'est pas un peu anxieuse une fois qu'on a un objet d'une telle valeur entre les mains? J'ai bien expliqué qu'il fallait que personne marche dedans pendant que j'étais ici. Mais sinon, non, comme je disais, c'est vrai que j'ai toujours vécu avec un violoncelle. J'ai toujours eu un violoncelle sur le dos, dans le train, dans l'avion. Donc qui vaille plusieurs millions ou seulement quelques centaines d'euros. Finalement, c'est pareil. C'est mon bout de bois et je prends soin autant que... C'est mon bout de bois. Vous avez déjà répété dans la Sainte-Chapelle? Oui. Expliquez-nous ce qu'on ressent, parce que moi, c'est quand même un des lieux les plus magiques qu'on ait à Paris. C'est un endroit absolument sublime. Donc, un concert pour une jeune artiste comme vous à la Sainte-Chapelle, il y a un côté miraculeux. D'ailleurs, tout est en dorure quand on regarde derrière vous. Non, c'est absolument fou. Et justement, la semaine dernière, on allait avec l'équipe du festival pour faire un repérage, parce que le concert va être filmé par la chaîne Deutsche Grammophon Plus, donc votre nouvelle chaîne classique. Ça, c'est vraiment chouette aussi d'avoir du classique et de pouvoir jouer aussi ce soir du classique ici. Et c'était assez impressionnant parce que donc j'ai sorti mon violoncelle, puis j'ai commencé à faire 3 notes. Parce qu'on voulait juste voir l'acoustique, c'était noir de touristes. Ils prenaient tous des photos, il y avait un bruit fou. Et d'un coup, tout le monde s'est arrêté, il y a eu un silence et ils ont tous écouté. Et ça m'a tellement touchée parce que c'est quelque chose auquel je crois vraiment, que la musique classique est quelque chose qui parle directement au cœur des gens, que c'est une musique qui s'adresse à tout le monde et qui est extrêmement actuelle. Et c'est quelque chose qui nous rapproche aussi avec le Festival de Paris, qui essaye de sortir la musique classique justement de ses salles de concert pour aller dans des lieux emblématiques de la capitale et s'adresser à un très large public. Là, il n'y aura pas plus emblématique. Où est-ce qu'on en est de la pratique musicale en France? Le ministre de l'Éducation nationale est très attaché au fait que les enfants fassent des rentrées en musique, que ce soit une chorale, que la musique s'installe dans les écoles. Est-ce que la France est un pays de pratique musicale intense et en progrès? C'est une bonne question. On est loin derrière les Allemands, moi, je peux vous le dire. C'est vrai, j'ai étudié en Allemagne et c'est vrai que la culture musicale en Allemagne est plus forte. Mais en France, je suis toujours étonnée, les salles de concert sont pleines. La Philharmonie a ouvert il y a 2-3 ans, c'est plein chaque soir. Et il y a une vraie demande, un vrai amour de la musique. Et ça fait partie aussi de notre culture. Ce Saint-Saëns, le Cygne, sont toutes des œuvres qui exaltent un peu l'élégance, la beauté française. Camille Thomas, la musique classique et notamment le violoncelle, comme le violon, c'est des univers très concurrentiels, même si on ne le dit pas. Oui. On est entre collègues. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un espace, il y a une échappée, on se détache? C'est le choix du répertoire? Vous avez choisi de donner quelque chose de vous de particulier? Qu'est-ce qui fait que ce sera vous et pas une autre? Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de monde et beaucoup de jeunes musiciens qui travaillent énormément, beaucoup de gens qui méritent. Donc c'est quelque chose de difficile parce qu'il n'y a malheureusement pas autant de place que de bons musiciens. Mais la chose la plus importante, c'est d'être soi-même. Et je pense qu'il y a de la place en fait, pour chaque individualité, pour chaque sensibilité. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire. Il y a des gamins qui vous regardent forcément ce soir, qui vont peut-être avoir leur premier violon, leur première flûte ou leur premier violoncelle, et qui vont en fait consacrer les 20 premières années de leur vie à la pratique d'un instrument. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce qu'il a raison, David, c'est incroyablement sélectif cet univers de la musique, et on peut parfois tout sacrifier et ne peut-être
ne pas vivre la grande carrière qu'on espérait. Alors vous, vous êtes en train de la vivre en ce moment. C'est ce qui est merveilleux, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à ces gamins ? Alors, il y a plusieurs conseils. Le premier, c'est ne jamais renoncer. Oui. Et c'est d'ailleurs aussi le slogan de Bernard Magret. C'est quelque chose qui nous rapproche vraiment. Extrêmement difficile, la musique, on peut rater une note et tout le monde l'entend, c'est affreux, ouais. On a l'impression qu'on va mourir. Et puis le lendemain, sur scène, il faut retourner et chaque échec en fait, est suivi d'un progrès. Et ça, j'y crois vraiment. C'est un métier où on est en permanence face à ses propres faiblesses parce qu'on ouais. On s'expose énormément. Mais voilà, il faut accepter ses faiblesses et accepter qu'on fait ça pour donner aux autres, en fait, donner du bonheur, donner de la beauté. Et donc pour les jeunes musiciens, je dirais aussi d'imaginer toujours une histoire, en fait, quand on joue, parce que la musique, c'est une histoire sans mots, mais ça raconte toujours quelque chose. Et quand j'étais enfant, je me rappelle, mes premiers concours, j'avais toujours une histoire très claire, quelqu'un qui parlait, et puis quelque chose de dramatique qui arrivait, ou quelqu'un qui était amoureux. Ça permet d'avoir moins peur sur scène. Et puis ça permet de communiquer plus. Et ben vous venez de donner deux vrais conseils. Une dernière qualité, c'est la qualité d'adaptation et effectivement la capacité à raconter des histoires. Et on va commencer, parce que vous allez retourner à votre violoncelle, par une histoire de foot. Tout le monde va comprendre, parce qu'elle n'était pas prévenue, on lui a demandé quelque chose. Je vous laisse vous installer. Et puis derrière, du Pablo Casals. Camille Thomas, merci infiniment. Votre rendez-vous exceptionnel, c'est donc le 28 juin, dans cette sublime Sainte-Chapelle à Paris. C'est évidemment dans le cadre du Festival de Paris. Toutes les informations sont sur le site lefestival.paris et votre concert sera retransmis sur Deutsche Grammophon. Ça tombe bien, ce sont des cousins de Canal. Et maintenant, on va pouvoir vous écouter. Marier les univers sur Canal+. Merci beaucoup pour... Attends, il y a la suite. Il y a Pablo Casals. Ah, alors parfait. Ouais. Allons-y. Pablo Casals. Camille Thomas.